Je ne suis pas du genre à croire au paranormal, mais je garde l'esprit ouvert aux choses qui ne peuvent être expliquées. La maison dans laquelle j'habite depuis 21 ans présentait des signes de présence paranormale qu'au moins un membre de ma famille a rencontré au moins une fois, et j'ai eu le plaisir de le rencontrer aussi une nuit. Pour en revenir aux premières rencontres, la maison était habitée par mon père et ma mère, ma grand-mère et mon oncle, ainsi que par mes deux jeunes frères et sœurs et moi-même. Le plus jeune de mes frères et sœurs avait environ 5 ans et vivait dans la chambre de ma grand-mère, qu'il élevait pendant que ma mère travaillait. Mon oncle vivait également dans cette chambre. Mon oncle chassait pour le sport et ses armes et munitions se trouvaient toujours sous son lit. Je partageais une chambre avec ma sœur, mais je dormais sur un matelas par terre, et elle avait le lit, car c'était elle la fille. Pendant le petit déjeuner, on parlait toujours du fait que mon oncle aurait vu une ombre dans la maison, et je disais toujours qu'il essayait de nous effrayer parce que nous étions jeunes et que ma grand-mère était superstitieuse. J'écoutais les histoires et j'avais froid dans le dos, mais je les rejetais toujours. Un jour, ma grand-mère nous a rejoints à table pour le petit déjeuner. Tout le monde était déjà en train de manger et elle a réprimandé mon jeune frère. Elle lui demanda pourquoi il n'était pas sorti des toilettes hier soir après qu'elle l'ait emmené. Il semblait confus. Selon elle, il l'avait réveillé au milieu de la nuit et lui avait demandé de l'accompagner aux toilettes parce qu'il avait peur. À moitié endormie, elle s'est levée, l'a accompagnée et l'a attendue devant la porte. Et comme il prenait une éternité, elle est retournée dans son lit et s'est endormie. Mon frère était confus parce qu'il a dit qu'il ne s'était jamais levé et ma mère l'a soutenu en disant qu'il avait dormi dans son lit la nuit dernière et qu'il ne s'était jamais levé. Il y a eu un silence, puis tout le monde a éclaté de rire en taquinant ma grand-mère sur le fait que le fantôme avait réussi à la faire marcher jusqu'aux toilettes. J'ai ri, mais en même temps j'ai pensé qu'elle avait pu rêver. La deuxième rencontre a été celle de ma sœur. Une nuit, alors que je dormais profondément, elle m'a réveillée en m'enjambant pour sortir de la chambre et aller aux toilettes. J'ai rapidement plissé les yeux et me suis rendormie. Le matin venu, je prenais mon petit déjeuner et elle avait l'air furieuse. Elle m'a dit « Ce n'était pas drôle, tu dois être ravie de penser que tu allais me faire peur. » J'étais confus et ma mère lui a demandé ce qui s'était passé. D'après elle, elle s'est réveillée pour aller aux toilettes, ce dont je me souviens. Mais après les avoir utilisées, elle est retournée dans la chambre et m'a vue debout à l'extérieur de la chambre, attendant de s'élancer sur elle et de l'effrayer. Elle m'a dit d'arrêter, que ce n'était pas drôle, et elle a regardé un peu ailleurs sans me voir. Elle pensait que j'étais retournée rapidement dans la chambre pour faire semblant de dormir. J'étais tellement confus. J'ai juré que même si j'aime faire peur aux autres pour rire, je ne me suis pas levée la nuit dernière. J'ai confirmé que je l'avais bien vue sortir, mais je ne me suis jamais levée. Elle m'a regardée comme si je mentais et tout le monde s'est moqué d'elle en disant que c'était le fantôme. Je lui ai demandé si elle m'avait vue. Elle m'a répondu que non, mais que c'était comme une ombre et qu'elle pensait que c'était moi. Maintenant, je me sentais un peu effrayée et je n'étais plus aussi sceptique. Quelques mois ont passé, nous étions tous d'accord pour dire que tant que nous ne dérangions pas le fantôme, il ne se passerait rien et peut-être qu'il est amical comme Casper ou quelque chose comme ça. Malheureusement, ça allait être mon tour. Mon oncle avait quitté la maison pour la semaine afin d'aller chasser. Je me suis réveillée au milieu de la nuit avec une sensation de soif. Alors, je me suis levée pour aller chercher un verre d'eau dans la cuisine. La façon dont les meubles ont été disposés a rendu le chemin entre le salon et la cuisine un peu étroit, de sorte qu'une seule personne peut passer à la fois. J'en parle parce qu'en face de moi, à environ 3 mètres, il y avait une silhouette qui me barrait la route. Je supposais que c'était mon oncle qui avait aussi l'habitude d'aller chercher un verre d'eau au milieu de la nuit. Alors pour que nous puissions tous les deux passer, je me retourne et le contourne pour le dépasser. Il fait de même. Je vais boire mon verre d'eau et commence à retourner dans ma chambre. Une fois de plus, mon oncle se met en travers de mon chemin. Alors je le contourne. C'est alors que je me suis rendu compte que mon oncle n'était pas à la maison. Il n'était pas là. Alors qui diable était là? Je m'arrête un instant. Ma peur me fait imaginer un visage effrayant tiré d'un film d'horreur. Un visage que je ne veux pas voir. C'est ça la silhouette de l'ombre. Je cours jusqu'à ma chambre comme dans une séquence de poursuite et je saute dans mon lit, sous mes couvertures recroquevillées en boule. Je me réveille en souhaitant que ce soit un cauchemar, mais je sais que c'en était pas un.
Je me lève et je vais dans la chambre de mes parents pour leur raconter ce que je viens de vivre. Ils me regardent pour voir si je ne plaisante pas pendant un moment et je leur assure que je ne plaisantais pas, que j'avais enfin eu une expérience avec ce fantôme ou quoi que ce soit d'autre. Au cours de l'année, je me lie d'amitié avec quelqu'un qui est censé voir des choses paranormales et autres. Je suis sceptique quant à son don, mais après avoir vécu des expériences dans ma maison, je crois que ces choses existent. Un jour, le 4 juillet, je l'invite chez moi parce qu'il allait être seul et que je me sentais mal. Il prend le bus jusqu'à chez moi et je l'invite à entrer. Je l'installe dans le salon et lui demande s'il veut manger quelque chose. Lorsque je reviens, nous allons dans ma chambre pour regarder la télévision ou des jeux vidéo. En s'asseyant, il me dit « Je ne veux pas te faire peur, mais il y a un vieil homme assis sur le canapé de ton salon. » Je ne lui ai jamais parlé de ma maison, ni de ceux que nous y avons vécu. Il ne veut pas faire de mal, il reste simplement dans cette maison. Je lui ai dit d'arrêter, je lui ai expliqué pourquoi cela me faisait peur et les rencontres que nous avons eues. Il acquiesce et dit « Oui, toutes ces rencontres, c'était lui. » Je ne sais pas s'il se moque de moi, mais je ne veux plus le voir chez moi. Je lui dis que je suis désolée, mais qu'il doit partir. Je me lève et il me suit. « Je suis désolée, je ne me sens pas à l'aise et tu n'aurais pas dû me dire ça. » « Tu as peur ?»« Un peu, mais je pense qu'il vaut mieux que tu partes pour l'instant. » J'ouvre la porte et il sort. Je me sens un peu mal, mais ma peur est plus grande. Il m'envoie un texto. « N'aie pas peur, il le saura, reste calme. » Je l'ignore et décide de rester dehors jusqu'à la fin de la soirée. Je ne lui ai plus jamais parlé, ne voulant pas faire partie de ce monde. Les rencontres ont cessé depuis, mais je suis sûre que si j'en parle un jour à ma famille, ils s'en souviendront. Il y a 5 ou 6 ans, j'ai fait une rencontre vraiment étrange pendant mon adolescence, que je n'ai jamais réussi à expliquer ou à comprendre. Cette histoire se déroule à Raleigh, en Caroline du Nord. Il y a une réserve naturelle près de mon ancien quartier que j'avais l'habitude de fréquenter avec mes amis et qui est devenue notre lieu de rencontre fumeur non officiel. Cette réserve naturelle s'appelle la forêt de Chenk. Elle appartient à l'Université d'État de Caroline du Nord, qui la gère et abrite certains des chevaux de l'école vétérinaire. Elle sert également de site d'enseignement et de recherche pour le programme de gestion des forêts de l'université. Le terrain lui-même a une histoire intéressante, avant d'être utilisé à des fins universitaires, puisqu'il y avait une ferme pénitentiaire là-bas avant les années 1930. Lorsque je visitais cette région, même avant cette expérience, mes amis et moi plaisantions toujours sur le fait que la terre avait une énergie étrange. Sur le parking de la réserve, il y avait un petit cimetière et une maison abandonnée, ce qui a certainement contribué à créer des vibrations intéressantes. Cependant, je ne me suis jamais senti effrayé ou mal à l'aise dans cet espace et je m'y rendais souvent seul. Un soir, j'allais rejoindre mon amie au parc de la réserve naturelle. Elle sortait du travail ce soir-là et j'ai fini par la devancer. En l'attendant, j'ai garé ma voiture sur le côté de la route et je l'ai tournée pour faire face à la direction dans laquelle on entre dans le parc. Derrière moi se trouvait le cimetière et je pouvais voir la zone assez bien dans mon rétroviseur arrière et mon rétroviseur latéral gauche. Il est important de préciser que ma voiture était la seule présente et qu'il n'y avait pas d'autre humain en vue. Il était un peu plus de 19h, à la mi-octobre. Le soleil était presque complètement couché et la nuit commençait à tomber. Après être arrivé au parc, je suis resté assis dans ma voiture pendant quelques minutes sur mon téléphone, essayant de tuer le temps en attendant mon ami. Après être resté assis un moment, quelque chose a attiré mon attention dans le rétroviseur de ma voiture. Dans la zone du cimetière derrière mon véhicule, il y avait un petit feu qui s'était déclaré sur le sol. Ma réaction immédiate a été de sortir de la voiture et d'aller éteindre les flammes. Et c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai trouvé un peu étrange que ce feu se soit déclenché, apparemment sans crier gare, mais j'ai supposé que quelqu'un avait jeté une cigarette juste avant que je n'arrive. Le feu se trouvait dans une zone où il y avait des feuilles sèches sur le sol, ce qui était une explication plausible à l'époque. Après avoir éteint le petit feu, je suis remonté dans ma voiture et j'ai continué à regarder mon téléphone.
Il faisait presque complètement nuit à l'extérieur et le soleil était descendu à l'horizon. Une fois de plus, quelque chose a attiré mon attention dans le rétroviseur de ma voiture. Le feu avait apparemment réapparu instantanément. J'ai immédiatement supposé que je n'avais pas réussi à l'éteindre la première fois et je suis sorti de mon véhicule, une fois de plus, pour essayer d'éteindre les flammes. En sortant de la voiture, je me suis rapidement rendu compte que ce feu était différent du premier que j'avais éteint. Il avait démarré environ 1 mètre derrière l'endroit où se trouvait la tache carbonisée dans les feuilles du premier feu. Après avoir réalisé que le sol avait spontanément pris feu, non pas une fois, mais 2 fois, dans un cimetière et la nuit, j'ai commencé à être un peu effrayé et je suis retourné à toute vitesse à ma voiture pour partir. Je n'ai pas pris la peine d'éteindre le deuxième feu. Juste au moment où j'ai mis la voiture en marche, j'ai jeté un coup d'œil dans mon rétroviseur pour voir un troisième feu se déclencher spontanément juste derrière le deuxième feu qui brûlait encore. Cette fois, j'ai vu le feu prendre de mes propres yeux. J'ai démarré en trombe et quitté le parc car toute cette situation me mettait mal à l'aise et me laissait perplexe. La fois suivante où je suis retourné dans la région après cette expérience, le sol était encore carbonisé en 3 endroits sur une ligne parfaitement verticale. Cet événement n'était pas le fruit de mon imagination ou d'une illusion. Je n'ai jamais entendu parler ou vécu quelque chose de semblable dans les années qui ont suivi. Depuis que j'ai vécu cette expérience, j'ai essayé de trouver une explication raisonnable à ce qui s'est passé, mais je n'y suis pas parvenu. Il n'y avait aucun autre être humain dans les parages, et le soleil étant couché, il n'y avait aucune raison plausible pour que ces incendies soient simplement des feux de broussailles allumés par la lumière directe du soleil. Je ne suis pas religieux et je ne pratique pas activement la spiritualité, mais j'ai eu l'impression que ces incendies spontanés étaient le signe que je n'étais pas le bienvenu à cet endroit, ou du moins à ce moment-là. Cela n'a pas vraiment de rapport avec mon histoire, mais c'est quelque chose que je trouve plutôt triste et effrayant. 3 ans après cette expérience, un meurtre de type exécution a été commis dans ce cimetière. Cela a été très surprenant pour ma communauté, car nous considérions tous que notre quartier était très sûr et que rien de tel ne s'était produit dans la région auparavant. Depuis l'année dernière, les terres entourant cette réserve naturelle ont été aménagées. Il n'y avait auparavant aucun aménagement dans la région et le chemin de terre sur lequel j'ai vécu mon expérience est maintenant pavé. La maison abandonnée qui se trouvait sur la propriété a été démolie et un énorme immeuble de bureaux a été construit à côté de la réserve. J'ai vu quelque chose quand j'étais enfant et j'en suis encore confus aujourd'hui. J'ai 19 ans, je vais avoir 20 ans le mois prochain. Cela s'est passé quand j'avais environ 4 ans. Quand j'étais jeune, mes parents, mon frère et moi vivions dans un appartement avant d'emménager dans notre propre maison. Ma grand-mère nous rendait souvent visite et nous emmenait, mon frère et moi, jouer dans un parc. Ma mère et ma grand-mère évitait la plupart des membres de notre famille et de nos voisins, et je ne comprenais pas pourquoi, mais elle ne nous laissait jamais jouer avec d'autres enfants. Il y avait une voisine que ma mère évitait le plus. C'était une vieille dame vraiment méchante, d'après ce que ma mère m'avait dit quand j'étais jeune. J'avais 4 ans à cette époque et je dormais encore dans la chambre de mes parents, dans un petit lit pour bébé. Le lit était près du coin où se trouvait la fenêtre, et mes parents avaient mis de l'eau sur mon rebord de fenêtre au cas où j'en aurais besoin. Ils savaient que j'étais assez intelligente pour prendre soin de moi, même à cet âge. Une nuit, je me suis réveillée très assoiffée. Alors je me suis levée pour attraper le biberon à boire, mais il ne restait presque plus d'eau. Alors j'avais prévu de réveiller ma mère pour qu'elle m'aide. Je savais comment sortir du lit de bébé sans tomber ou me blesser. À côté du petit lit, il y avait une table de nuit. J'espérais donc tomber sur la table de nuit, puis sur le sol. À côté de la table de nuit se trouvait le lit de mes parents. Ma mère dormait de mon côté cette nuit-là, alors j'ai marché jusque-là pour la réveiller, mais lorsque j'ai voulu la réveiller, je n'ai pas pu bouger. J'étais coincée sur le côté du lit de ma mère. J'ai essayé de bouger, mais je n'ai pas pu faire le moindre mouvement. Je ne pouvais pas respirer et regarder ma mère dormir.
C'est alors que quelque chose a fait du bruit en dessous. J'ai compris que le bruit venait de sous le lit. J'ai regardé en bas, seulement avec mes yeux, parce que je ne pouvais pas bouger la tête. Et ce que j'ai vu me terrifie encore aujourd'hui. Il y avait une main sombre, comme une ombre, mais je pouvais dire que c'était réel. Je sais qu'on dit que les petits-enfants peuvent voir des choses que les adultes ne peuvent pas voir, mais je jure que c'était réel. Elle bougeait, elle rampait sur le sol pour m'atteindre. Je disais à mon cerveau de bouger, je ne pouvais pas faire de bruit non plus, parce que j'ai essayé de crier pour réveiller ma mère, mais rien ne sortait. La main atteint mes pieds et quand elle m'a touchée, elle était brûlante. Elle a commencé à ramper sur moi et à me brûler. Tout ce que j'ai pu faire, c'est rester là et prier pour me réveiller de ce cauchemar. Lorsque la main atteint mon cou, juste avant qu'elle ne le touche, ma mère a bougé dans le lit et juste après, j'ai reculé trop vite, j'ai heurté le petit lit et ma mère s'est réveillée. J'ai pu bouger à nouveau et j'ai commencé à pleurer. Ma mère m'a demandé ce qui s'était passé, mais je pleurais tellement que je ne pouvais rien expliquer. Elle m'a prise dans ses bras et a essayé de me calmer, puis elle m'a mise dans le lit et s'est rendormie. J'ai jeté un dernier coup d'œil au lit de ma mère et la main n'était plus là. On aurait dit qu'elle avait disparu dans l'ombre sous le lit. Le lendemain matin, ma mère m'a réveillée en me criant désespérément. « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Je me souviens qu'elle m'a emmenée dans la salle de bain où elle a enlevé mon pyjama. Elle a quitté la salle de bain un instant pour apporter de nouveaux vêtements et pendant ce temps, j'ai jeté un coup d'œil à mon pyjama. Il y avait des taches noires sur le devant, là où la main m'avait touché. Le tissu semblait aussi un peu brûlé à certains endroits. Après cet incident, j'ai commencé à avoir d'autres expériences de ce genre. Ma grand-mère m'a également parlé de cela lorsque j'avais 16 ans. Elle m'a dit que lorsque nous étions dans la chambre d'hôtel, je me mettais à pleurer et je ne m'approchais pas du lit. Lorsqu'elle me demandait pourquoi, je répondais « Monstre !» Une autre rencontre avec cette chose a eu lieu lorsque mon frère et moi jouions seuls dans la chambre de mes parents dans notre appartement. Je restais au milieu du lit, pensant que cette chose ne m'atteindrait pas si j'étais au-dessus. Mon frère était sur la moquette, jouant avec des voitures. Nous avions une moquette de type rodéo. J'ai oublié ce souvenir jusqu'à ce qu'un jour, lui et moi parlions. J'avais 17 ans et lui 16. C'était une conversation du genre tard dans la nuit. Nous avons commencé à parler de choses paranormales. Soudain, il m'a posé une question qui m'a fait chavirer. Il m'a demandé « Tu te souviens de la main noire quand nous étions jeunes ?» Après avoir entendu sa question, les souvenirs de ce jour où il jouait sur le tapis sont revenus. Je pouvais le voir clairement devant moi. Il jouait sur le tapis et la main était là, à côté de lui. J'étais terrifiée lorsque je me suis souvenue. Ce n'était pas seulement dans ma tête. Il l'a vu aussi. Je ne lui en ai jamais parlé, je n'en ai jamais parlé à personne. C'était donc réel. Après cette conversation, j'ai commencé à réfléchir plus profondément et j'ai eu l'idée de le dire à ma grand-mère. Ma grand-mère est une sorcière, mais elle ne le pratique pas trop. Mais avec le temps, elle a arrêté et ne fait plus que des lectures de cartes et des sorts de protection. Lorsque je lui ai parlé de ça, elle a pâli et a été choquée. Elle m'a expliqué qu'elle pensait qu'il s'agissait d'un sort, d'une malédiction pour ma mère, jetée par la vieille dame qui était notre voisine quand j'étais jeune. Elle ne voulait pas me blesser, mais blesser ma mère cette nuit-là. Elle m'a dit que j'aurais pu mourir cette nuit-là, mais que mon énergie et les sorts protecteurs qu'elle m'avait jetés m'avaient aidé. Après ça, j'ai compris beaucoup de choses sur ma vie, pourquoi j'ai commencé à faire des cauchemars après l'incident, alors que je n'en avais jamais fait, pourquoi je tombais malade de plus en plus souvent, pourquoi j'ai dû aller à l'hôpital un nombre incalculable de fois. Pourquoi ma vie est si misérable jusqu'à aujourd'hui, la malchance que j'ai et tout le reste. Tout avait un sens.